My God. What? Attendez, what? Il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi, putain? En plus, y a personne pour. Il s'est passé quoi? C'était quoi ce truc? C'était qui cette meuf? Putain, c'est trop naze, je suis tout seul. Salut l'enclume du 30. Ça va l'enclume du 30? Encore un bébé qui chouine, putain. Inutile de préciser qu'il est toujours 23h59. Attendez, c'est quoi ce truc? Tout à l'heure c'était un bébé qui pleurait. Là c'est un homme qui pleure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est qui elle? What? Qu'est-ce qui s'est passé là? Hey, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire? La porte, on peut pas aller dedans. Et j'aime pas ça. Ça nous entraîne vers une routine à la con. À un moment, derrière la porte, il va y avoir un screamer ou une connerie comme ça. Et je n'aime pas ça. D'ailleurs, regardez, c'est bizarre. Il n'y a plus aucun bruit. Pourquoi la porte est grande ouverte? Derrière toi! Putain, on voit même pas le visage du personnage. What the fuck? Laissez-moi tranquille, il faut partir si vous voulez, messieurs, dames. Il faut partir.
McPaddle. Mais c'est quoi cette putain de chose? On peut même pas dire que c'est un bébé, c'est quoi cette chose? C'est quoi ce truc? Il n'y a plus de lumière. Allez vous faire foutre. Allez bien vous faire foutre. C'est quoi ça? C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit, putain? Ces gémissements? Shot in the stomach. 204. Tout est normal, tout. J'avoue que le streamer était bien amené. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Sunday afternoon. Don't touch that dial now. We're just getting started.
gun store 2 days earlier. This brutal killing took place while the family was gathered at home on a Sunday afternoon. Don't touch that dial now. We're just getting started. Retrieved the rifle and shot his wife. Mais une fois, pas deux. Reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who was shot in the stomach, was 204863. Soon after neighbors called 911, found the father in his car listening to the radio. C'est bien foutu quand même. Mais j'aime pas cette ambiance. Ils nous mettent volontairement dans un truc trop calme. Moi, cette putain de porte, bordel!